Apart, c'est une exposition directement chez vous. Donc en fait, l'idée du coup, c'est d'intégrer l'art directement dans le quotidien des gens, donc dans leur habitat. On est sur des jeunes artistes, on est sur des artistes émergents. Donc il n'y a pas une concurrence directe avec les musées, à la limite les galeries, mais la différence c'est nous, on propose gratuitement d'avoir de l'art chez vous, là où les galeries ne proposent ni de l'art chez vous, et évidemment encore moins gratuitement. À l'origine, on avait déjà un petit cercle d'amis proches à nous qui étaient artistes, donc on est parti vraiment de ce cercle proche. Et ensuite, à chaque exposition, on mettait à disposition une petite liste « Vous êtes artiste » et les gens s'inscrivent. Et nous, à partir de cette liste-là, on va vraiment constituer notre catalogue d'artistes. Et après aussi, par la suite, vu qu'on a été contacté beaucoup par les artistes sur les réseaux sociaux. De la visibilité, j'espère. Ouais, beaucoup de visibilité. Je pense que c'est important pour des jeunes projets étudiants de gagner en visibilité, de gagner en crédibilité, parce que c'est aussi un prix. C'est valable pour les autres qui veulent nous accueillir, avoir confiance, pour les artistes qui veulent rejoindre notre aventure, mais aussi se faire connaître d'acheteurs et de visiteurs qui souhaiteraient voir nos expositions. Faites quelque chose, peu importe la façon. Enfin, quand on a voulu créer Apart, on n'avait pas du tout de lieu, personne pour nous accueillir, pas de moyens. D'artistes, pas de moyens. On s'est regardé, on a pris notre après-midi et on a inventé une expo chez nous. On a appelé nos amis, on a essayé de voir qui s'était motivé. Et très vite, un mois plus tard, on a travaillé comme des malades, on a eu notre expo. Et on a invité tous nos amis et on a demandé aux gens d'inviter des personnes potentiellement intéressées par avoir une expo chez eux. Et en fait, sur les 150 premiers visiteurs qu'on a eu chez nous en 3 jours, il y en a d'autres qui nous ont proposé leurs appartements. Et le projet, il a pris comme ça. Et sur chaque expo, et ben, d'autres personnes viennent. Et donc, lancez-vous si vous avez un appart, même un appart étudiant comme nous, vous pouvez en faire quelque chose. Oui, c'est vraiment avec peu de moyens, on peut faire des beaux projets. Et surtout, dès qu'on a une idée, un concept, il faut vraiment se lancer. Être passionné, et je pense qu'à partir du moment où tu es passionné, tu peux faire quelque chose de ton projet, vraiment.